En cherchant l'école où ma fille serait pleinement heureuse, où elle pourrait se construire à son rythme, j'ai découvert la proposition pédagogique de Maria Montessori. C'est de là qu'est né mon désir de réaliser ce film. Cette pédagogie nous invite à respecter et soutenir les dons naturels, l'enthousiasme et la personnalité de chaque enfant, et ainsi œuvrer à la paix dans le monde. Quiere bajar. Quiere bajar. Avoir une confiance absolue en l'enfant et savoir l'observer, c'est par là que tout commence. Ma méthode consiste surtout de donner à l'enfant la possibilité de vivre naturellement, exerciter sa spontanéité. Alors, je prépare un milieu où ils puissent vivre comme dans une maison. Les enfants ont leurs meubles, leurs petites choses pour la cuisine, pour la table, etc. Alors, ils commencent à aimer ce milieu comme une maison à eux-mêmes. Et ils deviennent très actifs. Et dans cette activité, ils s'ordonnent et deviennent disciplinés et heureux. C'est pas que ma classe, c'est ta maison aussi, ici. À moi. Tu l'aimes comme un poteau. Qui, de l'enfant ou de l'adulte, doit surmonter sa peur? C'est en observant l'enfant, en connaissant ses capacités, que l'éducateur saura à quel moment proposer une activité. Commence bien ici. Leurs possibilités de travailler sans se fatiguer, leur discipline spontanée, le sentiment social merveilleux qui venait d'eux. Tout cela nous a fait comprendre une chose, devait y avoir quelque chose qui devait être aidé.